Hey, salut tout le monde, c'est Bouskaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Advance Warfare. Attendez, on va se lancer en une balle. Voilà, une petite. Un petit mode d'une balle, voilà. Sur terrasse en plus, ça va le faire. Point stratégique, ça peut le faire. Faut que j'arrête avec ce putain d'accent. Donc j'espère que vous allez bien les gens. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Déjà, vous avez pu remarquer qu'il n'y avait pas eu d'histoire de la semaine. Eh bien, pendant 2 semaines, c'est une explication à tout ça. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'avais rien de florichon. Ouais, florichon, ouais. À vous dire. Et du coup, bah. Je vais pas m'inventer une vie, hein, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, je vais pas m'inventer ouais, une vie, donc j'ai pas. Mais what the hell, mon gars, la chaise rebelle, quoi. Une vue que j'avais rien à vous dire. Et bah, j'ai préféré fermer ma gueule, tout simplement. Et ne rien dire, voilà. Par contre, ça, tu le fais plus bâtard, tu vois. Tu acceptes la mort. Donc voilà, donc si je n'ai rien à vous dire, et bien, tout simplement, il n'a pas d'histoire de la semaine, j'avais prévenu. Donc voilà, c'était le truc. Attendez, instant swap morse. Morse, instant swap morse. Par contre, la mire, moi, je trouve. Franchement, je trouve sincèrement la mire, c'est vraiment abusé. C'est pas. Je sais pas. C'est quand même. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu ta tête. Normalement, j'aurais dû. Fils de pute, petit largage de ravitaillement, on ouvrira ça après la game. Donc, le truc important que j'avais à vous dire, je sens que je vais mourir. Ouais. C'était le SWC qui est dans un mois, si je ne dis pas de conneries, le 2 et 3 mars. Le 2 et 3 mai, pardon. Très bien si on mettait un petit clip là. Alors fils de chien. Hop, et devant. Putain, faut que je sois plus rapide pour mettre une petite quad ou un truc comme ça. Donc le SWC, pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas adeptes pardon, de Call of Duty, ce que je peux comprendre parce que sur ma chaîne, bah, je ne fais pas de Call of Duty au départ. Voilà. Il y en a beaucoup qui me suivent pour Minecraft. Par exemple. Et donc, le SWC, c'est une grande compétition de Call of Duty. Je crois que c'est la plus élevée. Avec le code champ. Qui regroupe les 8 meilleures équipes mondiales de Call of Duty. Donc, autant vous dire que c'est prestigieux, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a la Millennium. Millennium Code qui est attendue. Oh la double! Non, non, non! Mais putain, vas-y là, je viens de mettre une. Oh, tu m'as pété le couille. Il y avait trop de monde. Je mets la collate. Et toi, tu m'offres pas les gens sur un plateau, mais tu m'offres un cercueil à la place. Ça va plus ça. Ça ne va plus ça. Ça, le jeu, tu le fais pas, tu vois. Ça, c'est interdit. Et ça aussi, putain. C'est pas prestigieux ce que je viens de faire. Donc j'y serai bien entendu, j'ai réservé mes places déjà depuis un mois. Hein. Ça aurait été carrément mieux d'y participer, mais bon, hein, je me ferais juste littéralement exploser la gueule, n'est-ce pas? Donc il y a la Optic Gaming, je pense que la Optic part quand même favori au niveau de... Putain, il y avait la... Putain, fils de pute. Je pense qu'elle part favori de ce tournoi, même si elle a fait que top 8 au code champ. Terminé 8ème. Enfin, tout le monde était un peu déçu, s'attendait à mieux. Très clairement. Donc il y a la Optique, je crois qu'il y a Deniel, hein. Je suis pas sûr. Ça, mec. À quoi ça sert de s'allonger? Hein? À quoi ça sert, bâtard? Hop, morse. Là, ça c'est le vieux viseur dégueulasse de base. Attends, on va reprendre le viseur zoom parce que sinon c'est infâme l'autre. Oh, fuck. J'ai tiré un peu au hasard. Ah, mec! Accepte. Yeah.
Donc voilà, ça se déroule le mec qui arrivera jamais à terminer ses phrases, et ça c'est un truc qu'il faut que je m'entraîne. De savoir parler en même temps, de fournir un gameplay de qualité, n'est-ce pas? Attends, across the bagage. Allez, à quad! Oh, t'es sérieux, bâtard? Putain, j'avais la quad feed. Donc pour ceux qui y vont, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait lui depuis tout à l'heure à sauter comme ça là comme un imbécile? Pour ceux qui y vont et qui adorent Call of Duty, bah, je vous invite. What the hell? Putain, j'ai cru que j'avais mis un marqueur. Bien, je vous invite à y aller. Les places, c'est genre 28 euros, je crois bien. Bon, après, vous devez assurer vos billets, tout ça, bref. Donc, moi, j'y serai. C'est à Paris, à Bercy, si je dis pas de conneries. Et donc, voilà, les 8 meilleures équipes de Call of Duty. Moi, j'y serai que le dimanche, parce que samedi, bah, je travaille. Donc, ça fait un petit peu chier, mais c'est fort. Mais voilà. Donc, je pense que c'était un gros gameplay de merde. Ouais, c'est pas top, hein. Ça pue un peu le caca pudding. Donc sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un petit commentaire, et on se retrouve la prochaine fois, n'est-ce pas, pour encore plus de vidéos sur Call of Duty et du fun. Attendez, juste avant, on ouvre le petit largage de ravitaillement. On ne sait jamais, hein, on ne sait jamais s'il y a un truc potable ou pas. Eh bien, de la merde. Je compte faire un épisode 2 de Vente aux Enchères. J'avais fait... une vidéo là-dessus où je vendais toutes mes armes élites, professionnelles ou même recrues que j'avais en double ou même mes équipements. Et j'avais réussi à avoir 19 500 d'XP. Donc là, je vais remettre le couvert. Ça risque pas d'arriver tout de suite, mais d'ici un mois, je pense, quand j'aurai acquis pas mal d'armes en double. Déjà, j'ai des armes. Vous allez péter des câbles. Donc moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Portez-vous bien. Et... Salut tout le monde. Allez, salut. Mario.